Bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry, ensemble ce matin, encore une fois, pour louer, partager la parole, adorer le Seigneur. Et toujours une joie de vous retrouver en grand nombre connectés. Et n'oubliez pas de nous faire parvenir vos besoins, vos requêtes de prière. On veut prier ensemble, on veut prier pour vous. On est là pour s'encourager mutuellement. Et merci. Merci de le faire si fidèlement. Merci d'être là si fidèlement. Et on veut passer un moment, encore une fois, béni ce matin. Commencer bien la journée. Et on va démarrer avec ce chant qui s'intitule « Saint-Esprit, Holy Spirit » de Kerry Joe. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur. Rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît dans ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, ô Dieu. Par ta présence, tu es notre espoir. Rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît dans ta présence. Ensemble, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, ô Dieu. Par ta présence, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, ô Dieu.
par ta présence. Oh Dieu, par ta présence. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour ces instants que tu nous donnes de vivre encore avec toi. Parce que c'est vrai que tu sièges au milieu des louanges. Nous voulons aujourd'hui te dire combien tu es précieux pour nous. Parce que nous savons que tu veilles. Nous savons, Seigneur, que tu es là. Et que nous allons vivre des jours meilleurs. Nous allons vivre une nouvelle saison. Et cette saison ne sera pas sans toi. Ça va être une saison avec toi. Une saison où tu vas nous amener plus loin. Une saison où tu vas nous amener dans une nouvelle destinée. Une nouvelle dimension avec toi. Une nouvelle dimension de notre spiritualité. Seigneur, on est tellement reconnaissant de venir chaque matin avec cette liberté, alors qu'il y a sur cette terre des frères et des sœurs qui se, Seigneur, dont la vie est en jeu à cause de leur foi. Seigneur, nous sommes confinés, mais nous sommes en sécurité. Nous sommes isolés, mais Seigneur, tu es là. Et Seigneur, tu nous combles par ta parole, tu nous combles par tes messages, tu nous combles de différentes façons, alors que cette planète n'a jamais été autant connectée avec le grand Je suis, avec toi. Il y a une multitude qui viennent à ta connaissance en ce moment. Et nous nous réjouissons pour cela. Nous continuons à prier pour cela. Nous sommes, encore une fois, confinés, mais il n'y a rien qui nous empêche de prier. Confinés, mais il n'y a rien qui nous empêche d'intercéder, d'être une influence dans notre communauté. Ce matin, reçois la gloire qui te revient, Seigneur. Et merci encore une fois pour mes frères et sœurs qui sont là connectés, de les bénir et de les combler au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. La prière du juste, c'est le titre de ce matin, la prière du juste. Jacques, chapitre 5, verset 16, ça dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. » Dans la traduction Parole de vie, ça dit que la prière d'un homme juste est très puissante. Et c'est vrai, c'est tellement puissant. Le mot efficacité, échouo dans sa racine, qui veut dire être fort, lorsqu'on dit d'une grande efficacité, être fort, bien portant, être fort de corps, être robuste, être en bonne santé, avoir le pouvoir, avoir un pouvoir montré par des bienfaits extraordinaires. La puissance, il y a quelqu'un qui a écrit ceci, auteur inconnu, j'ai fait une traduction libre de cela, « La puissance spirituelle nucléaire et éternelle de la prière ». Wow! Le diable n'a pas la capacité de contenir la prière. La prière est de nature spirituellement nucléaire. Pour démontrer la puissance. Elle est la matière première de Dieu et de son peuple. La prière est hors de l'influence de Satan. Elle n'a pas le pouvoir de déformer ou d'influencer la trajectoire d'une prière vers le trône de Dieu après qu'elle ait été priée. Une fois qu'une prière est déclenchée, elle rebondit autour de l'éternité à perpétuité, brûlant devant le trône de Dieu comme de l'encens. C'est pourquoi la prière est si spirituellement dangereuse pour Satan. Elle supplante les limitations d'un monde mortel. La prière est immortelle. Elle n'a pas de limite ni de ligne de repère. La prière a un potentiel ultime, le mieux que le diable puisse espérer, et que vous ne priez pas. Et
une grande partie de sa stratégie est de vous décourager de prier, car une prière jamais priée n'a aucune chance d'être exaucée. C'est bon, n'est-ce pas? Vous savez, le plan du diable est de s'assurer que les enfants de Dieu ne prient pas. C'est sa job, c'est son boulot, c'est son job. Pourquoi? Parce que la prière d'un homme juste, elle est très puissante. La prière d'une femme juste, elle est très puissante. Et j'aime ce que dit ce qui est dit de la prière, de ce qu'on vient de lire, la puissance spirituelle, nucléaire et éternelle de la prière. Et je crois sincèrement que nous vivons en ce moment une dimension de la prière que nous n'avons jamais expérimentée autant comme aujourd'hui. Et pour plusieurs d'entre nous, nous sommes témoins d'un réveil de prière sur la surface de la planète, un réveil d'encore plus de louanges, plus d'adoration, plus de prière, d'intercession qui monte vers Dieu. Nous l'avons souvent vu comme un dernier recours peut-être, mais alors qu'on avait tout essayé et qu'on se retrouve au pied du mur, mais comprenons que le fait de pouvoir approcher Dieu directement dans la prière nous est permis par le sacrifice ultime de Jésus-Christ à la croix. Alors, je crois vraiment que cet accès à la prière est extraordinairement puissant. Extraordinairement puissant. Et regardons à nouveau la racine du mot efficacité, ishuo, avoir un pouvoir montré par des bienfaits extraordinaires. Pourquoi? Parce que Dieu nous a revêtus d'un esprit extraordinaire, d'un esprit puissant. Oui, la prière déstabilise le royaume des ténèbres, et c'est bon, on déstabilise le royaume des ténèbres. C'est pour cette raison que nous parlons de souvent de lutter, nous parlons souvent de combattre, nous parlons souvent de, lorsqu'on parle de la prière, on parle de guerre spirituelle. Ce n'est pas une guerre imaginaire, c'est une vraie guerre. On vit dans un monde spirituel. On n'a pas lutté contre la chair et le sang, comme nous dit Éphésiens 6:12, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 1 Jean chapitre 4, verset 13, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Nous sommes revêtus du Saint-Esprit. Nous sommes revêtus du Pneuma. Pneuma, la troisième personne de la Trinité. Dieu, le Saint-Esprit, est un esprit donnant la vie. C'est pour cela que lorsque nous prions, c'est puissant. C'est pour ça que le diable veut tenter de nous décourager. C'est pour ça qu'il tente de nous déstabiliser. C'est pour ça qu'il tente de nous occuper à toutes sortes de choses parce qu'il ne veut pas qu'on prie. Oui, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire au lieu de faire la prière. On peut être sur Netflix 6 heures par jour. On peut être sur le chat. On peut faire n'importe quoi pendant des heures et des heures. Mais ça, c'est bien. Et je ne dis pas qu'il y a du mal à regarder des films et tout ça. Ce n'est pas ça que je dis. Mais je dis que n'hésitez pas à donner un temps de qualité à Dieu afin que vous puissiez aller chercher, aller vous ressourcer, aller vous fortifier dans sa présence. Galates, chapitre 2, verset 20, ça dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'esprit de Christ qui vit en nous. L'esprit du vainqueur de la mort. L'esprit du donneur de la vie. L'esprit du donneur de paix et l'esprit du chasseur de peur habite en nous égale puissance spirituelle nucléaire, kaboom! Lorsqu'on prie, il y a quelque chose qui explose dans le monde ténébreux et c'est ça qu'on veut. On veut déranger et on dérange. Alors croyez-le, lorsqu'on s'unit, lorsque le peuple de Dieu prie, lorsque le peuple de Dieu se met ensemble pour prier, pour intercéder, il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est jamais sans effet. Il y a quelque chose lorsqu'on lève nos voix, lorsqu'on adore, lorsqu'on partage la parole de Dieu, lorsque les prédicateurs prêchent la parole, il y a quelque chose de puissant qui monte et il y a un monde ténébreux qui est là,
Ils sont chamboulés à cause que le peuple de Dieu prie. Alors, c'est ça qu'on veut. On veut prier parce que nous sommes plus que vainqueurs. Vous le savez, on est plus que vainqueurs. Et ça a été déjà gagné à la croix. Nous sommes des vainqueurs et non des vaincus. Alors, il y en a un qui a été vaincu. Il est sous nos pieds. Gardons-le sous nos pieds. On n'a pas besoin de le faire remonter. Nous sommes des serviteurs et des servantes du roi des rois. Alléluia, alléluia. J'aimerais qu'on puisse encore une fois rechanter ce refrain. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh, Dieu. Par ta présence, oh Dieu, par ta présence, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu, par ta présence, nous soupirons après toi, Seigneur. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Mon âme soupire après toi. Reçois l'honneur et la gloire, mon Dieu. Reçois cette adoration comme un parfum qui monte vers toi. Oh, mon roi. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, mon roi. Reçois mon cœur. Reçois, Seigneur, ma louange. Merci parce que mon cœur est libre en toi. Mon cœur est libre. Je suis dans ta présence. Seigneur, merci pour la liberté. Merci parce que tu nous as rendus libres. Que nous puissions réaliser à quel prix cette liberté-là a été gagnée. Seigneur, nous voulons aujourd'hui nous confier en toi. Nous voulons être une source de bénédiction pour quelqu'un. Alors utilise-nous même dans ce confinement. Dirige-nous à appeler quelqu'un. Envoyer un texto, envoyer un messenger, envoyer faire un WhatsApp,
Dirige-nous, Seigneur. Envoie un mail. Mais Seigneur, merci parce que dans toute cette situation, dans tout ce confinement, dans toute cette croissance de maladie, Seigneur, tu as fait une œuvre extraordinaire dans plusieurs personnes, dans plusieurs vies, Seigneur, et dans plusieurs cœurs depuis. Tu n'es jamais à court de ressources et Seigneur, on est tellement reconnaissant pour ça. Merci pour la vie. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Et que cette journée soit un sujet de joie, surtout parce que nous te connaissons, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci encore d'avoir été là, partager ces moments avec moi et surtout avec Dieu. Et parce que c'est pour lui qu'on est là, c'est vers lui qu'on fait monter cette louange, cette adoration et nos cœurs ce matin. Et n'hésitez pas à vous connecter à onestensemble.live avec des moments bénis avec pasteur Éric Sellerier, pasteur Luc Dumont ou pasteur Jérémy Deran ou Élise, une chroniqueuse également extraordinaire qui vient de se rajouter. Qui est là aussi, des moments superbes avec des invités superbes également, extraordinaires. Alors, connectez-vous, hashtag onestensemble.live et connectez-vous à la matinale, hashtag onestensemble avec Stéphane Kéry pour encore des moments. Et faites-le savoir à d'autres autour qu'ils peuvent se connecter, s'abonner, afin qu'on soit davantage, de plus en plus de personnes à prier, intercéder et à s'encourager. Alors merci, que Dieu vous bénisse, passez une journée extraordinaire dans sa présence. Soyez bénis, à demain matin. Bye bye.